Alors, rapidement, je vais parler de mon sujet, comme ça on va rentrer très vite dans la chose. J'étais sur des sites récemment, et je salue aussi mon gars Motorist DJ qui est sur la scène, grand DJ, je ne cesserai de le dire, là-bas à Montréal. Donc partout je le vois, il fait son atalakou, même s'il ne fait pas pour moi. Soyez. Anyway, camaraderie entre Goéga. J'avais plein de sujets dessus. J'ai fait une vidéo dessus il y a longtemps, à mes débuts en 2010. Mais apparemment, les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc je vais reprendre la vidéo pour vous donner. Alors, avant de commencer à parler, j'annonce déjà que les vidéos de l'ancien entrepreneuriat vont commencer à être postées à partir de lundi. Donc l'entrepreneuriat, le grand maître dans son sérieux. Abonnez-vous. Alors, amitié entre Goéga, est-ce que ça existe? Hein? Ça dépend. Les filles, écoutez très bien ce que vous dites. Les filles, écoutez. Cette vidéo est faite pour toutes les filles du monde entier. Ok? Écoutez très bien ce que je m'apprête à vous dire. Amitié entre garçons et filles. Parce qu'il faut qu'on arrête de mettre ça comme sujet sur les lives. Écoutez très bien ce que je m'apprête à vous dire. Amitié entre garçons et puis femmes. Les garçons, que ça existe. Écrivez d'abord. Avant que je commence à parler, vous allez comprendre. Les garçons, on n'a pas dit les filles. Hein. Ici, il n'y a pas go de quelqu'un. Les filles, taisez-vous. Les garçons, je pose la question. Est-ce que ça existe? Africa dit, mais c'est comment? Mon camé depuis Montréal. Les garçons, répondez. Pourquoi les filles, la seule question, c'est pas faux. Avant que je parle, les garçons, amitié entre garçons et puis filles, est-ce que ça existe? Regardez bien les filles, hein. Lisez. Je vois non. Je vois ça n'existe pas. C'est écrit jamais. Il y en a qui disent non. Il y en a même qui a mis jamais. Il y en a même qui a mis non. Les gars, regardez. Hein. Entend non, même pas. Continuez, écrivez. Les garçons, tous les garçons qui sont là aujourd'hui, écrivez. Avant que le grand maître ne parle, ça n'existe pas, Joe. Il y a deux cas. Oh, Francky, attends. Francky, calme-toi. Nous, les Francs, on a pris deux ou trois cas. Attends d'abord. Ça n'existe pas. On dit il y a toujours une intention cachée. Si elle ne me plaît pas, c'est fichu. Ça ne peut pas exister. Merci, Rico. Envoyez ce mot. Les filles, regardez. Lisez. Faut pas que vous ayez dit que c'est toujours le grand maître qui parle. Parce que quand je parle, vous pensez que comme je suis un garçon, et vous pensez que je suis le plus mauvais des garçons, voilà. Vous pensez que c'est moi le problème. Ok? Écoutez très bien. Maintenant, je vais parler. Si tu n'es pas la mère de quelqu'un, sa soeur, ok? Je répète, sa mère, sa soeur, ok? Ou bien la go de son meilleur ami. Tu comprends? Hein? La go de son meilleur ami. On dirait que vous ne comprenez pas ce qu'ils ont dit là. Il faut que je répète pour vous. Sa maman, sa soeur, et puis derrière mes soeurs, mes soeurs, même père, même mère. Ou bien même mère, même père. C'est-à-dire, si ça doit être même quelque chose. Sa soeur, même quelque chose. Même père, même mère. Voilà. Petite la fille de son beau-père. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. Ok? Si tu n'es pas sa mère, je répète parce que pour moi, les gens me disent que je n'ai pas dit. Tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa soeur. Tu n'es pas. Tu n'es pas sa tante. C'est-à-dire que la petite soeur de sa maman. Mais la grande soeur. Sa... En tout cas, la famille antérieure, elle est en haut. En haut de lui, là. Si tu n'es pas un de ça. Ok? C'est-à-dire que tant que tu es cousine, nièce, y a quoi quand même? Cousine germaine, tout ça, tout ça, tout ça là. Tant que tu es tout ça là, avant d'être une simple inconnue, avant que tu aies une simple inconnue, ok? Ma petite, si tu glisses, il va te pousser, tu vas tomber, on va appeler ça un accident. C'est ça qu'on appelle un accident.
Il a dit qu'on a fait, non. Et puis maintenant, il demande pardon, non. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il a dit que tu vois le film, là. Tu vois le film. D'accord. Si tu glisses, il va te pousser, tu vas tomber. Un garçon ne fait amitié avec une fille que lorsque il a un intérêt personnel. Écoutez bien, c'est cette définition que ça dit que c'est qu'une vieille chanson que ma pote a dit là. En temps normal, on doit mettre ça dans le dictionnaire Larousse ou bien le d'un dictionnaire. Vous comprenez? Un garçon n'est ami avec une fille, le sexe opposé, qui n'est. Écoutez bien, voilà. Et la vraie définition. Aujourd'hui, on met la vraie définition. Un garçon n'est ami avec le sexe opposé, qui n'est ni sa mère, ni sa sœur, une membre de la génération d'avant lui, que s'il y a intérêt ou s'il a intérêt personnel. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Il répète la définition. Il faut écrire ça. Je vous jure qu'il faut écrire la définition. Le grand maître a sorti la définition maintenant des camaraderies entre garçons et femmes. C'est quand même moi. Il fallait bien que quelqu'un sorte cette définition. Un homme n'est ami avec le sexe opposé qui n'est, virgule, qui n'est, virgule, qui n'est ni sa mère, ni sa sœur, ou une membre de la génération d'avant lui, que s'il y a intérêt personnel. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on travaille ensemble et que je vois que la fille peut m'envoyer quelque part dans le business, tu vois, et que j'ai besoin de cette fille, elle travaille, elle est vraiment efficace. Il est possible que à cause du business, il n'y ait pas relation sexuelle, car relation sexuelle gâte business. Ok? Mais toujours est-il que c'est dangereux. Ça veut dire que, comme disait ma maman, il faut écrire le proverbe. Il ne faut jamais s'amuser avec un serpent, même s'il est rassasié. Écrivez le proverbe. Tout ce que vous dites ce soir, il faut écrire. Il ne faut jamais s'amuser avec un serpent, même s'il est rassasié. Pourquoi? Parce que c'est un serpent. Il peut te piquer pour garder et manger plus tard, on ne sait jamais. Donc, je répète la définition pour ceux qui viennent d'arriver. Amitié entre goy et gars. La définition, écoutez bien les filles, parce que le problème ne se pose que chez les filles. Un garçon n'est ami avec le sexe opposé que si, virgule. Non, regardez pas. Un homme n'est ami avec le sexe opposé, virgule, qui n'est ni sa mère, ni sa soeur, ni une membre de la génération d'avant, que s'il y a intérêt personnel. C'est-à-dire que il voit qu'il va gagner quelque chose dans ça, autre que le sexe. Donc, ça veut dire que quoi? Nos camarades filles là, même pas filles, nos amis là, on est guichet fermé. Les filles, écoutez bien. Elle a dit, mais on peut être camarades. Non! Cherche tes camarades. Nous sommes guichet fermé d'amis. Les tickets, on ne vend plus. Tu comprends, non? Nos tickets de camarades, on ne vend plus de tickets. Mettez les likes pour le grand maître. Si tu es fan, like ma petite. Like. Like. Like ma petite. Mets le cœur. On est guichet fermé des camaraderies. On ne cherche plus camarades filles. Ou bien, pourquoi quoi? Pourquoi on cherche camarades filles? On n'a aucun intérêt à être ami avec une fille qui ne nous apporte rien. Surtout parce que les filles, on voit vos comportements et ça ne nous arrange pas, nous les garçons. Vous parlez trop, vous êtes des vipères, vous êtes tout le temps en train de vous chamailler entre vous. Comme je disais dans la vidéo précédente, amitié des femmes, on dirait éjaculation précoce. Au moment où tu penses qu'elle devient camarade, là, c'est là qu'on commence à se battre. Il y a une qui a été juive. Donc, on vous voit entre vous.
Il n'y a rien qui nous séduit entre l'amitié d'une fille. En tout cas, amitié de fille, c'est toujours vous qui allez vous traiter. C'est toujours vous qui avez affairage. Tout ce qu'on vous dit, vous partez, vous dites de l'autre côté. Il n'y a rien d'intéressant. En plus, même quand on vous dit la vérité, vous ne croyez pas. Donc, vous ne nous envoyez en rien en termes d'amitié. Voilà. Mais en termes de mougouli, il y a un intérêt. Ce qui fait que, en tant qu'homme, nous ne pouvons être amis avec vous. Un gars qui est ton camarade actuellement, il est ton camarade actuellement. Jusqu'à ce que l'occasion s'en suive et que tu glisses, qu'il te pousse, que tu tombes et que ça devienne un accident. Ça veut dire qu'il va se lever le matin pour dire non, je suis désolé. Parce que les filles, imaginez, asseyez-vous. Je vous pose la question aujourd'hui et j'ai tout le temps, il n'y a pas à attendre qu'à demain. Ok? Je vous pose la question aujourd'hui. Toi, tu me regardes, toi, femme qui me regarde, est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Est-ce que tu es sûr que si tu ouvres les jambes aujourd'hui, là, là, tu écartes tes jambes et puis tu dis à tous tes camarades, garçons que tu connais, hein, de te mougou, cite-moi un d'entre eux que toi, tu es sûr dans ta tête comme ça. Un d'entre eux qui n'est ni ton frère, ni ton père. Hein? Parce que même les tontons de la génération passée, là, eux-mêmes ne vont pas te louper. Donc, donne-moi un nom que toi, tu es sûr qu'il peut dire non, j'ai pas envie, c'est pas bien, je ne dois pas faire ça. Donne-moi un nom. On est là, on attend. On a tout le temps. On a tout le temps. Donne-moi un nom. Toi-même, tu es assis là. Tu sais très bien dans ta tête que même les gars qui sont autour de toi, qui sont très proches de toi, si tu écartes les jambes, ils vont te tabac. Ils vont te mousser. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Même le gars de ta camarade, il risque de te mousser. Si tu offres cadeau, là, là, tu ouvres les jambes, cadeau diable, tu connais combien de gars qui vont te dire non. On est là, on attend. Donnez une réponse. Donne un nom. Nous là, on va te croire. On va faire comme si on ne sait pas que tu mens. On va te croire. On va te croire. Réfléchis dans ton cerveau. Tourne, tourne dans ta tête. Il n'y a pas de les garçons. Je ne pose pas la question aux garçons. Je ne pose pas la question aux garçons. Entre vous les filles. Filles, c'est à vous que je pose la question. Dans ta tête, quand tu réfléchis jusqu'à. Ok? Si tu n'as pas. C'est que si toi, garçon, t'as dit non là. C'est que toi-même là, tu sens. C'est mauvais. C'est que y a un truc qui ne va pas sur toi. Sinon, si tu te couches par terre là, et puis tu écartes tes jambes, et puis tu dis à tous tes amis garçons, venez mougou, dis-moi un qui va te dire non. Dis-moi un. Moi, je suis là, il y a tout le temps, j'attends. Donne-moi un seul nom que toi tu connais qui va te dire non. Ils vont tous te mougou, et puis matin, ils vont te dire non. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Donne-moi un. Même si tu es malade et puis un garçon doit te laver, il y a un qui va quand même te doigter. Au moins. Juste comme ça. En passant. Hey! Hey! So, tu vois, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour te dire que quoi? De la manière que toi-même tu as confiance en toi que ça n'existe pas là. C'est comme ça. De notre côté à nous, on n'a pas camarade fille. Toutes les filles qui sont autour de tous les garçons qui sont actuellement présents. Et je parle au nom de tous les gars présents qui sont là sur ce site. Mais qui me regardent à travers YouTube. Je parle au nom de toutes ces personnes-là. Tous garçons ici présents. Ok? Si tu es une camarade à tous les garçons qui sont là, hein, tu es ami avec eux pour l'instant. Toute fille que eux connaissent, hein, sera à court ou à long terme mougou. Si elle ose, si elle s'amuse, elle dit on cause à elle. Parce que, bon, voilà. Et d'ailleurs, si tu ne sens pas le danger, c'est parce que lui, il s'est dit que non, peut-être tu connais sa go, peut-être que c'est pas bon, il va pas le faire, il est conscient, il est concentré sur son travail, tout. Mais si tu donnes l'occasion, on n'a pas camarade-fille. Je connais beaucoup de filles qui ont lu beaucoup de livres, tu vois, qui ont vu beaucoup de filles romantiques et qui vont dire ah non, ah ça c'est pas bien. Écoute, moi je pense que un homme qui voilà, merci Jensi. Ou bien c'est un PD, ou bien c'est un PD. Voilà, c'est tout. Peut-être c'est un gay. Sinon, un homme
Oui, John C. Messi, c'est un PD. C'est la seule manière où un gars est ami avec toi pour de vrai. De vrai. Sinon, même si tu es malade et puis le gars vient te laver, tu seras doigté. Pour rien comme ça. Pour rien. Parce qu'il va dire, il va prétendre laver le tout, il va fouiller, mettre ta main. Tu seras doigté. Si tu veux là, non. Hein, on sort d'ici. Disons que le grand maître, c'est pas un homme bien. Disons que je suis un gars, je suis pas bien, je suis un grand menteur. Disons ça, ok? Moi-même, souvent, je pense qu'il est mort. Donc, disons ça. Et puis, va voir un de tes amis, dis-lui que tu te sens pas bien. Il n'a qu'à venir te laver. D'abord, j'ai d'autres qui refusent pour commencer. Pour commencer, hein? Et puis, il n'a qu'à te laver. Fais comme si tu es dépourvu de tes sens, tu es un peu endormi, tu ne sais pas comment tu vas faire. Il va appuyer tes seins. Il va te doigter un bon coup, te mettre au caleçon, tout ça avant d'appeler l'ambulance. Ah bon, d'accord. Je te jure, une fois ici, expérience personnelle. Ok? Je travaillais sécurité. Qui se rappelle qu'il travaillait sécurité puis faisait des vidéos là? Voilà. Une fois, j'étais sécurité. Il y a quelqu'un qui a appelé la police parce qu'il y a une femme nue qui se promenait dans le. Dans le centre. C'est-à-dire que j'étais en sécurité pour un centre de plein, il y a au moins 200 condominiums. Ok? Donc il y a une go qui est partie voir son gars. Et puis, ils sont grès, le gars a commencé à dormir. Je ne sais pas c'était que la go partait faire dehors, si elle voulait prendre un paquet, elle est sortie rapidement pour prendre un petit truc pour rentrer là. Mais quand elle est blanche, elle est sortie nue. Seulement, ce qu'elle ne savait pas, c'est que la porte se ferme automatiquement. Donc, en voulant rentrer, la porte est bouclée. Elle n'a pas de téléphone sur elle, elle va appeler le gars, ça passe pas. Donc, petit à petit, la gauche cherche à voir un peu. 24. Ouais. 24 No problem, I'm coming. near 13. Donc, tu vois, en essayant de rentrer, elle a vu qu'elle ne peut pas. La gauche est bloquée dehors. Du coup, quelqu'un, les vieux qui étaient là, qui étaient choqués, ont appelé la police. Il y a une fille nue qui se promène là. Tu sais ce qui s'est passé? Et ces jours-là, il a appris que non. Quand tu appelles la police pour un voleur, garçon voleur qu'elle a là, il peut prendre 5 minutes pour arriver. Ou 3 minutes. Mais appelle la police pour dire qu'il y a une fille nue qui est le problème dans les quartiers. Il a dit, ils sont là les 30 secondes qui suivent. Voilà. Il a dit, normalement là, si tu es à Boston, c'est police de Boston qui vient. Ces jours-là, police de Boston est venue. State Police est venue. Police de Dorchester est venue. Police de. Non, la puissance du pétou. Quand on dit, c'est à cause des femmes de là, tu es malade. Le diable, mais vraiment. En résumé, je redonne la définition avant de vous laisser, car j'ai un malade qui doit les gérer. Ok, je redonne la définition. Camaraderie entre homme et femme. Un homme n'est ami avec une femme qui n'est ni sa mère, ni sa soeur, ni un membre, ni une membre de la génération d'avant lui, que lorsqu'il a un intérêt personnel, c'est-à-dire travail, peut-être c'est la go de son camarade, son meilleur ami, il faut se souligner meilleur ami, peut-être pas le meilleur ami que ta go a glissé, si elle a glissé, si elle a glissé, il va la pousser, elle va tomber, on va appeler ça un accident. Il faut écrire, tout ça c'est proverbe, il faut écrire, écrire. Écrit, c'est le proverbe du grand-mère. Donc, mettez ça dans votre tête, les filles. Vous êtes des proies. Partout où vous partez, hein, devant vous là, il y a serpent, il y a panthère. Même si tu vois girafe, que tu penses qu'il est herbivore, ma petite, en cas de quelqu'un, mais elle vient. Faut pas t'amuser, girafe. Oh! D'accord. Il y a des hommes qui se promènent avec vous là, c'est des dinosaures. Qu'il t'a amusé là, il va même pas te mouiller, il va te laper même de fesses jusqu'en haut, il va te manger même. Donc arrêtez de nous raconter des conneries. Non, ben on peut être amis, non ma petite, on est guichet fermé de camaraderie, on vend plus de tickets d'amitié, c'est fini. Arrêtez de nous blaguer vos conneries. Même si on accepte ton amitié, c'est pour te dire que à court ou à long terme, on va te mouiller. C'est juste une question de temps. D'accord. Donc rappelez-vous de ça. Si tu n'as pas compris, retourne au début de la vidéo pour regarder. Clique sur Rewind. Le grand Kalanation, je vous remercie. Peace.